vite, c'est pas impossible. Bah non, ce serait trop facile comme ça, c'est au seuil. On va pas la faire comme ça, mais sur une pierre. Alors, au début, on va faire au feutre, mais pas comme ça, alors, pas comme la noire, là, regardez. Pas comme elle. Parce que elle, elle a un peu mis comme ça. Alors, comme ça, c'est pas moi qui l'a fait, ça fait longtemps qu'on l'a eu. Comme elle, regardez. Elle, c'est moi qui l'ai faite. Alors, on va faire comme ça. Vous voyez? Comme ça. Mais en fait, vous voyez, le rouge comme ça, c'était au feutre. Ça c'était la peinture. Voilà, vous allez voir. C'est-à-dire que elle, que je vais faire, ce sera tout au feutre, comme ça, au feutre. Après, je ne colorie pas au feutre. Après, je fais des points en noir. Et sur une autre, je vais faire pareil, mais à la peinture. En fait ça sera de ces deux styles. De ces deux styles, vous voyez. En fait, il y en aura une tout en peinture et une autre comme ça, tout au feutre. Vous comprenez? Alors, suivez-nous, c'est parti, mon kiki! Pour faire la coccinelle, ben, il vous faudra que deux couleurs. Du rouge et du noir. Et du noir. C'est deux couleurs. On va commencer tout de suite, vous pouvez vous rapprocher. C'est pas vous que je vais vous rapprocher, c'est ma mère. C'est une petite blague. Voilà. Alors, vous pouvez. Ma maman, elle peut se mettre là pour que vous voyez bien. Voilà. Là, vous voyez bien. D'accord. Là, je sais pas si vous voulez. D'accord. Alors là, je fais un rouge. Bon, alors si vous voulez, vous pouvez tout faire, mais moi je vais faire tout faire, c'est-à-dire derrière de vos côtés. Mais moi, pour pas que ça soit trop long, je fais que au milieu ici, d'accord? Pour pas que ça soit trop long. Après, pour faire la coccinelle, ce sera comme vous voulez, mais à part pour que ça soit joli, il faut une pierre plate, vous comprenez? Parce que sinon ça fait pas trop joli. Alors là on va arrêter quand même un peu. Je vais un tout petit peu sur les rebords là. Voilà. Ah, maintenant je vais vous montrer. Voilà. Maintenant je vais prendre un crayon à papier. Voilà. Le crayon papier. Voilà. Je me rassois. Voilà. Je suis prête. Et au milieu, je vais faire entrer, d'accord? Je vais faire entrer. Voilà. Alors, je fais comme ça. Si vous voulez faire comme ça. Je vais continuer. Si vous voulez, vous pouvez faire pareil, c'est comme vous voulez. C'est votre choix. Voilà. En fait, nous, on est allé dans un endroit pour trouver ça. On était allé en. Aujourd'hui, on les a ramassés. Voilà. Et quand je les ai vus, ben, j'ai dit, maman, on pourrait faire des. Avec, on pourrait faire des coccinelles. Et elle m'a dit, oui, c'est bien. Avec aussi, mais. Avec les enfants de sa classe. Alors, si vous êtes des parents, voilà des parents, vous pouvez faire comme ça. Alors là, j'ai fait comme ça ma coccinelle. Faites noir. Alors, comme elle, voilà. Ma maman, comme je sais pas trop faire comme ça, en fait, ça, c'est ma maman qui me les a faites.
deux traits là, après un trait là, un trait là. On laisse une petite margeur pour laisser passer le noir. Et après, on peut arrondir comme ça. Parce que elle, ça fait longtemps que mon frère a besoin de laver. Ne pars pas avec moi, d'accord? Alors, tout là, je vais colorier en noir, même la bande blanc qui est là. Voilà. Et ici, en noir. Pa-pa-cordillo. Je vais commencer. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je fais de l'autre côté. Alors, eux, c'est pas que j'ai fait, c'est ça fait longtemps. Voilà, alors une dans ma main, une autre, une autre. Franchement, elle ne coûte pas cher. Parce que ici, on vend en magasin, même si c'est pas en magasin, c'est une blague. Alors, je suis comme ça au dos, je suis comme ça, hop. Et là aussi, je peux faire un peu des pattes. Trois pattes là. Et on va dire qu'elle, en fait, elle vole la coccinelle. Alors on va dire que ses pattes, elles sont là quand elles volent. Et quand elles ne volent pas, quand elles marchent, bah, c'est sûr que ses pattes sont là. Alors je vais les faire. Crée un papier, s'il te plaît, maman. Au revoir. Et tout pour regarder ma...